Oh, les mets. Regarde les boîtes. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 juin 2020, il est 20h01 et nous avons le plaisir d'écouter, comme toutes les semaines, notre ami Aviram pour les nouvelles de la Fondation. Aviram, c'est à toi quand tu veux. Merci Joël. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? C'est bon pour moi. Ok. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en France? On est déconfinés, alors peut-être qu'il y en a qui sont sortis. Ah, c'est ça. Voilà, mais non, mais ils vont arriver, ils vont arriver. Il faut demander à ce qu'ils viennent. All right. Donc, le thème de ce programme aujourd'hui, c'est pas d'évolution sans comprendre les émotions. Et ça, c'était très difficile, le discours, comme traduire dans un langage ordinaire, on peut dire, de M. Kesh. C'est très nouveau, c'est très dense, bien que nous avons peut-être déjà un avantage sur les autres langues d'une certaine façon parce que nous avons appris un peu avant de Greg Braden et de Goddard et ça nous aide à comprendre qu'est-ce que exactement M. Kirsch veut nous enseigner par rapport à ce thème de que les émotions sont nécessaires. Il a déjà dit auparavant souvent que l'autre peuple, comme les peuples de l'Afrique ou les peuples de l'Asie lointaine, ils vivent plus proche de leurs émotions. Ici, d'ailleurs, en Amérique centrale, c'est également le cas. Quand on est confiné, on entend les voisins. Et ici, il n'y a pas de... Parce que ils ont beaucoup de maisons n'ont même pas de fenêtres parce que il fait jamais vraiment froid. Actuellement, c'est la saison de pluie. Il fait 16 degrés tous les jours et il pleut tous les jours. Et c'est un peu demandant sur nous, notre psyché des fois. En tout cas, on entend les voisins et ce que j'entends beaucoup ici, c'est rire. Donc, les gens rient beaucoup pour n'importe quelle raison, et ça je trouve c'est un signe que c'est plus un mode de vie émotionnel qu'un mode de vie rationnel, qui est plutôt le mode de vie enseigné dans les pays qu'on appelle industrialisés, d'où nous vivons en Europe ou en Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, je m'adapte déjà aux changements qui vont venir pour la structure du programme. Donc on a trois points aujourd'hui.
J'aimerais, je crois, par la suite, ça va être quelqu'un d'autre qui va parler, jouer probablement pour le côté technique et quelqu'un d'autre qui devrait se trouver, qui va ou une femme qui peut parler comme des actualités, le côté comme journal de notre programme. Dans laquelle on pourrait mettre les capsules, les deux premières capsules, par exemple, la présentation, troisième présentation du Conseil universel et une petite capsule sur le voyagement dans l'espace. Le thème aujourd'hui principal, c'est que l'évolution de l'humanité individuelle comme en espèce ou race ne se fera pas si on n'arrive pas à mieux comprendre c'est quoi les émotions. Donc, on va aujourd'hui redémarrer ce processus-là. D'ailleurs, j'ai ajouté pour tous ceux qui vont downloader après la présentation le lien pour le répertoire parce que je suis demandé des fois sur Facebook et autres courriels. Où les gens n'avaient pas le temps de regarder où se trouve le répertoire des newsletters. Et la prochaine fois, je vais aussi mettre le répertoire pour les enregistrements YouTube. Donc, on va parler de la vision du Conseil universel. Là, j'ai trouvé une jolie image avec un œil de paix. C'est la vision de paix. Et la session One Nation, One World était basée surtout sur d'autres témoignages des communautés linguistiques et aussi beaucoup de membres du Conseil universel ont décrit leur vision propre à eux, c'est quoi la paix. On a commencé, comme c'est très poli et juste, avec les idées de M. Keshe sur la paix. Pour lui, la paix positionne tout le monde en mode équilibré et confortable. Ça veut dire que les gens peuvent donner et prendre autant qu'ils veulent et dont ils ont besoin. C'est la compréhension du fonctionnement de l'univers, c'est-à-dire la compréhension du fonctionnement dans le milieu dans lequel nous vivons, de un, et de l'autre, la position de notre âme dans notre vie. Toutes ces deux choses-là nous font vouloir vivre dans le cadre du principe universel. Ça, c'est un très grand changement par rapport à notre histoire, surtout ce qui est propagé par des soi-disant religions, qui disent pas ça du tout. Ils disent pas que le principe universel, qui veut dire nous sommes ici pour rendre service, c'est pas basé sur compréhension et toutes ces choses-là, mais sur les bases de religion sont basées sur la foi. La foi, c'est comme axiomatique, c'est-à-dire ils ne sont pas questionnables. Si vous questionnez les bases, les fondements de la religion chrétienne, par exemple, vous allez probablement pas avoir de réponse et vous allez quitter cet troupeau de moutons. Parce que justement, notre système est composé nous sommes une trinité, l'âme de la forme physique et le corps. Et l'âme de la forme physique, ça peut aussi être le mental, et une partie du mental, c'est le mental rationnel. Alors, on est doté par notre nature de ça. Et une religion qui réclame. Ah non, ça ne nous intéresse pas, ça nous enlève, c'est comme une amputation
d'une partie qui est très très importante pour notre vie d'ailleurs. Donc, ça va pas augmenter notre contentement avec les religions établies. Ensuite, il dit, vivre de cette façon, alors de la façon qui est basée sur non la croyance, non l'hypnotisme, mais sur la compréhension. Moi, je veux comprendre individuellement le monde dans lequel je vis. Pourquoi? Parce que si je ne comprends pas comment ça fonctionne, le milieu dans lequel je vis, je ne peux pas vraiment être heureux parce que je ne sais pas comment faire pour vivre. Donc, c'est très important. Alors, vivre de cette façon satisfait notre âme et avec elle, l'âme du Créateur. Vous vous rappelez, notre âme, ce que M. Keshe appelle l'âme de l'homme, elle est partie intégrale. Elle est, on pourrait même dire, élément constitutionnel de l'âme du Créateur. On se rappelle aussi que dans tous les univers, peut-être à part de la Terre seulement, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, toutes les structures hiérarchiques sont pure invention humaine. Donc, on ne peut même pas dire que cette planète, il y a une hiérarchie. C'est juste dans nos têtes peut avoir une hiérarchie qu'on peut projeter sur la nature, les plantes et tout ça. Et ce n'est pas justifiable, mais on l'a fait quand même pour les 8000 ans passés. Alors, quand on fait ça, quand on satisfait notre âme, parce qu'on vit naturellement dans le principe universel, on sert le tout, on satisfait au même temps l'âme du Créateur, et à ce moment-là, on est dans la paix. C'est très, très, très logique et compréhensible. Et tout ce que nous allons faire, tout ce qu'on peut faire, ça ne veut pas dire dans un état où on vit sous le principe universel, c'est comme la méditation, admettons. Une personne qui ne connaît pas beaucoup la méditation, elle va apprendre d'abord des techniques de méditation qui font quoi? Qui vont amener la personne, si elle utilise les techniques à beaucoup de reprises, à une expérience d'un état de méditation. Une fois on a expérimenté l'état de méditation, on n'a plus besoin de les techniques. Alors, de cette façon, par rapport au principe universel, oui, au début comme maintenant, il faut passer revue beaucoup d'intentions qu'on a, beaucoup de choses qu'on veut faire avant de les faire. On les passe, on les juste les scrutine un peu. Est-ce que ce que je veux, j'ai l'intention de faire maintenant, est-ce que ça est bon pour tout le monde ou juste bon pour moi? Et à un moment donné, on fait ce scrutinement, cette observation de soi-même assez. Ça devient comme notre seconde nature et à ce moment-là, on vit le principe universel, on n'a plus besoin de scrutiner parce qu'on ne va pas avoir aucune idée d'avoir des motivations, de vouloir faire des choses qui ne servent pas à tous. Là, je me rappelle, je vous ai donné la dernière fois un devoir. Vous vous rappelez? Le devoir, c'était, si vous voulez, vous essayez de juste penser et surtout seulement verbaliser des phrases ou des mots qui ont une connotation avec la paix, l'amour et le vivant, la vie. Est-ce que vous l'avez fait?
silence. Qu'est-ce que ce silence veut dire? Oui, moi je lève les lèvres. Ah, est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que ça a fait quelque chose? Bah, c'est difficile à dire pour moi, je ne sais pas trop. Je sais pas. Ah, peut-être il faut l'étaler un peu plus dans le Oui, temps. je pense. Ah, ok, donc Ça je vais ouais, ça ouvrir. dépend, tu sais, de l'activité qu'on a aussi. C'est difficile à Ouais. discerner, quoi, je trouve. Mais bon, c'est un avis personnel. Oui. Moi, je peux vous partager ce que m'a fait parce que j'ai déjà commencé un peu plus avant vous. Ça me faisait en fait au début le contraire. Je voulais être plus paisible et plus parler d'un espace de cœur et d'amour. Et j'étais beaucoup plus vite déclenché par toutes sortes de choses. Et ça m'a pris comme une bonne semaine, plus qu'une semaine, pour prendre le cap un peu dans le sens que j'observais plus les déclencheurs et je me mettais dans la tête, OK, là, avant de ne pas parler ce qui n'est pas amour, il faut que je gère un peu les déclencheurs qui vont me mettre automatiquement dans l'état où je ne parlerai pas d'amour, ni de vie, ni de compassion. Alors, ça m'a pris du temps et maintenant, les vagues sont plus calmes et je peux plus facilement le faire. Donc, surtout dans les conversations avec d'autres personnes qui parlent du côté négatif de la pandémie ou Bill Gates ou Trump ou whatever, je écoute et j'essaie à trouver le sentiment ou l'émotion de laquelle eux ils partent et là j'ai une autre avenue que je peux plus facilement embrayer avec les trois ou cet espace qui peut être caractérisé par amour, paix et vie. Donc, je vais vous redemander ça peut-être dans 2 semaines ou 3. Et j'ai aussi un autre, c'est pas de moi, ce devoir, entre guillemets, il n'y a pas de devoir, non? On est très clair. Vous êtes toutes les adultes comme moi peut-être. Alors moi, je ne suis pas sûr que je suis vraiment un adulte. Alors, en tout cas, les membres du Conseil universel, ils ont partagé leur vision de paix privée ou personnelle, individuelle. Et là, je ne voulais pas les lire tout parce que c'est beaucoup. Donc, vous pouvez lire tout ça en détail sur le PDF de le FinePoint Plasma. Et à la fin, quand tout le monde, les membres ont passé, il y avait une période de questions-réponses. Et avant ça même, ils ont demandé au grand public de leur partager, chacun de nous est demandé de partager sa vision de la paix. Et je trouve c'est superbe comme idée parce que comment on veut travailler ou œuvrer plutôt pour la paix si on n'a pas pris le temps, qu'est-ce que c'est la paix pour moi? Alors, il y a comme des possibilités de voir la paix dans un sens que c'est déjà là, comme quelqu'un a dit, oh, la paix pour moi, c'est d'accepter toutes les choses telles quelles. Les choses sont déjà telles quelles. Et le moment, je peux les accepter. Je n'ai pas plus besoin de chemin à faire. La paix est. Et il y a d'autres qui disent, la paix et la liberté est le chemin vers la paix. Donc ça, c'est un peu le contraire. Et ça va avoir beaucoup d'incidence
comment on va agir pour engendrer ou amplifier la paix qu'on veut voir sur notre planète chérie. Donc, la question, qu'est-ce que la paix pour vous? Vous pouvez l'envoyer à toutes les groupes Facebook. Il y a surtout un groupe Facebook du Conseil universel. Vous pouvez faire le message aussi à Carolina ou à notre Zivie, qui peut recevoir ça aussi pour que ça apparaisse peut-être dans le prochain One Nation, One World. Vous pouvez envoyer aussi à InfoPlasma Laurentide et à ce moment-là, je les transférerai à Carolina et Sylvie ou Azula. Ah. Muy bien. Maintenant, le voyage dans l'espace. M. Kirsch a introduit cette capsule en disant, peut-être vous tous, on a remarqué dans le dernier temps qu'il y a plus de phénomènes, on pourrait dire peut-être extraordinaires ou pas tout à fait normaux dans le ciel de nuit et parfois aussi dans la journée, comme des jeux de lumière, des reflets ou des trucs bizarres qu'on ne peut pas expliquer. Oh, c'est juste des étoiles. Et là, il a répété ce qu'il disait avant déjà à reprise, que ce que nous voyons comme des étoiles, des points de lumière finalement sur le firmament de nuit, ça, c'est pas des étoiles, c'est des vaisseaux spatiaux de nos frères et sœurs de la communauté universelle. Et là, il a dit, vous, vous faites pas, c'est peut-être difficile pour vous, pour nous, de nous imaginer qu'est-ce que c'est. Parce que finalement, un vaisseau spatial, ça peut être comme un petit vaisseau pour une famille ou une personne qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir des composants matériels. Peut-être ça peut se contenter en étant un confinement magnétique, un plasma, whatever, un rayon. Mais ça peut aussi avoir des composants matériels et pour notre... alors, il y a des vaisseaux spatiaux qui sont petits comme ça, mais il y a aussi des vaisseaux-mères, des motherships. Et ces vaisseaux-mères, ils peuvent être vraiment grands comme une planète. Donc, ce qu'on voit sur les images que je vous ai préparées, on voit une photographie de l'espace dans la nuit avec tous les points de lumière qu'on pense être des étoiles. Si on le rapprochit avec un télescope, on voit, ah, mais ça peut être une planète. Et si on a comme une technologie qui n'est pas limitée physiquement, on agrandit tout simplement encore plus. Là, on voit, waouh, ça a l'air comme une très, très grande ville spacieuse, futuriste, avec des trucs qui sont posés sur la terre ferme et d'autres trucs qui flottent dans les airs. Mais les airs, est-ce que c'est sous l'eau? Oh, wow, on ne voit pas. Et là, j'agrandis encore. Hey! Et là, je vois un paysage de rêve où je vois des animaux et des comme humanoïdes parce que c'est un télescope que j'utilise. Ce n'est pas un télescope ordinaire, hein, on se comprend. C'est un télescope qui a une fonction imaginaire. C'est-à-dire, même si les frères et sœurs de la communauté universelle n'ont pas de corps, et je veux quand même voir quelque chose, ce télescope-là est fait avec une cup of man. Donc,
ou un système d'amélioration universelle. Il peut très bien nous projeter une forme que nous sommes capables de percevoir avec nos yeux d'acide aminé. Et ça va juste transformer les émotions que nous recevons de nos frères et sœurs de la communauté universelle dans une forme. C'est la même chose comme ou façon comment un artiste fait un portrait. Un portrait, ce n'est pas une photo de passeport. Non! Un portrait, ça prend... on veut capturer dans un portrait l'essence de l'autre personne. On veut que cette image de la face de la personne me parle et me dit la vérité sur la personne. Et ça, c'est hyper complexe et c'est beaucoup de plaisir et ce n'est pas une photo passeport. Voilà, ça fonctionne de la même façon. Ensuite, il y a des conséquences à ça, ce voyagement. La première conséquence très évidente, c'est le temps. Le temps, comme vous avez beaucoup entendu déjà, je crois, le temps chronologique est seulement appliqué sur la Terre. Parce que sur la Terre, nous avons des rythmes comme les saisons, la joie et la nuit. On a aussi des plus grands rythmes comme les éons. On a des encore plus grands rythmes comme des airs de l'air glacial ou l'air des dinosaures. On a des cycles de, je crois, c'était 12 000 ou 20 000 ans des Mayas. Donc ça, c'est le temps chronologique. Chronos, c'est le dieu qui a inventé l'horloge coucou en Suisse. Pourquoi il s'appelle Chronos d'ailleurs? Parce que c'était un travailleur importé de la Grèce. Voilà. Et il a un cousin qui s'appelle Kairos. Et Kairos, il veut rien savoir. Le temps chronologique, ça lui est tellement égal. Lui, c'est le temps en tant que la qualité du moment présent. Wow, ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Donc, si on passe de la Terre en espace, ça ne sert pas à grand-chose d'amener nos concepts et nos croyances par rapport au temps chronologique, mais on va vivre dans le même moment présent, ici comme sur planète Zeus, comme dit M. Kesh. L'autre conséquence du voyagement dans l'espace avec des bateaux grands comme ça, il dit, ils vont très très loin à une vitesse comme la vitesse de l'âme, c'est-à-dire il n'y a pas de mesure, c'est trop vite. Ils arrivent déjà à destination comme ça, pac! Et à destination, c'est comme un univers, la destination. Hein? Donc, pour explorer déjà notre univers dans lequel nous vivons, ça prend les milliers de galaxies et déjà d'explorer notre galaxie avec toutes les planètes et les astéroïdes et la Terre et le Soleil et la Lune et toutes les autres lunes et machins qui sont là, ça prend du temps. Donc, il a dit un mothership, un vaisseau mère, pourrait rester pour des milliers d'années sur un endroit comme garé. Et à ce moment-là, ça prend la forme d'une planète pour ne pas être dérangé par d'autres espèces qui sont un peu arrogants ou peureux, comme l'humanité peut-être était dans le passé, pour ne pas apparaître trop comme encore étrange. Donc, on prend la forme que les spectateurs de ce secteur de l'Unikos sont habitués et aiment, tout simplement.
Mais si ça reste là quelques milliers d'années, déjà, et le vaisseau de mer est tellement grand que ça nous prend des centaines d'années pour connaître toutes les autres sur qui sont dans le même ship, les autres passagers. Alors, à ce moment-là, il faudrait être capable de lâcher notre croyance. À nous, notre expectation de vie, c'est comme entre 80 et 90. Ah ouais? Mais si c'est ça, vous connaissez juste vos voisins de proches sur le bateau et vous avez rien vu du début de notre voyage. Tant pis pour vous, hein? Et on peut aussi penser que une fois rendu dans l'espace, parce que les chronomètres, il n'y a pas, il n'y a rien qui nous rappelle le temps qui passe. Donc, il n'y a aucun temps qui passe. Donc, on ne vieillit pas, sauf si on insiste vraiment de garder cette croyance inutile. Deuxième problème. Ça, c'est vraiment le plus grand problème, c'est le principe universel. Là, je vois quelque chose. Vous voyez la même chose? Sur la botte, ça, c'est un policier qui est en train de tuer un noir. Vous voyez le profil de sa semelle? Ça fait un 8. Hein? Vous voyez ça? Et le 8 est presque où est l'âme du noir. Donc, c'est une interaction, c'est un symbole d'interaction, bien que malheureusement, le policier a vraiment tué le noir comme ça. Il l'a étouffé, je crois, avec son genou dans le cou. Imaginez-vous. Mais quelqu'un qui a vu cette vidéo, il y a une vidéo sur ça dont M. Kesh a parlé, il a dit aussi longtemps que nous faisons ça, et surtout les fonctionnaires civils ou non civils, ils exercent leur métier sans aucune éthique. L'uniforme qu'ils portent leur demande en fait une éthique qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est pas l'exception sur notre planète encore. Et c'est ça le grand problème. Parce qu'aussi longtemps qu'on fait ça, on va toujours avoir une tendance d'être agressif parce qu'on a peur seulement. Ça, c'est très courant. Et c'est aussi très bien exploité par les États-Unis, les Russes, les Chinois, les Français, les Allemands et les Guatémaltèques. On dit, oh, il faut se méfier de ce genre de gens parce que ils vont nous faire perdre ceci et cela ou menacer ou quoi que ce soit. Et il faut être tout de suite sur la défensive et monter les armes. Donc, si je me sens menacé, je vais réagir avec violence. Et ça, c'est absolument pas possible de faire partie, même une excursion touristique avec les frères et sœurs de la communauté universelle. C'est complètement pas possible. Alors, un knowledge seeker, il a vu la vidéo, il a pris une photo et il a sous-titré la photo. Ah, j'ai oublié de la traduire en français. Il écrit, vous voyez qu'est-ce qu'un flic des États-Unis fait avec les minorités. Ça, c'est un noir. Allons alors élever les âmes de ces flics-là par le suivant. Je donne librement de mon âme à toutes les âmes des flics dans le monde. S'il vous plaît, prenez ce dont vous avez besoin pour aider à créer la paix dans le monde. Je suis présent.
Je suis présent. Merci. Je suis présent. All right. Et ça, c'est aussi une bonne transition vers la compréhension des émotions. Pourquoi c'est important de comprendre les émotions? Pour se rapprocher de son âme. Et rapprocher de son âme, vous avez tous lu dans La vie des maîtres, par exemple, elle est absolument nécessaire pour être capable d'utiliser les mêmes pouvoirs que Jésus avait. Jésus n'est pas un extraterrestre. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu ou des filles de Dieu. Il faudrait mieux être, quand on revient, penser ne pas devenir fils mais fille parce qu'on a beaucoup d'avantages automatiques quand on arrive comme ça. On peut, par exemple, tout nu, sauter à travers une clôture de fer barbelé. All right. Alors, pourquoi les émotions? Et parce que si on tous les pouvoirs comme vivre sans manger de la nourriture matérielle, comme voyager avec l'âme, que notre âme est notre vaisseau spatial, de créer tous les matériaux qu'on a besoin, de créer nous-mêmes la température, l'humidité et tout ça, composant de notre environnement tout seul, qu'on est protégé de tous les dangers qui peuvent menacer notre corps par nous-mêmes. Ça, tous ces pouvoirs-là sont déjà là, ils nous attendent dans notre âme. Donc, pour ça, on a une motivation d'accéder à notre âme pour être capable d'utiliser ces pouvoirs-là. Oui, voilà. Et le chemin pour aller vers l'âme, pour se rapprocher de l'âme, va obligatoirement nous amener à travers les émotions et aussi va nous demander à comprendre peut-être les émotions d'une autre façon qu'on a fait avant. Et c'est pour ça le but de cette capsule-là. Le premier truc à retenir, c'est que d'où viennent les émotions? Les émotions, selon la science du plasma, sont produites ou créées par une interaction entre au moins deux champs plasmiques, ou on peut dire âme. Donc, toutes les émotions sont créées par une interaction. Cette interaction peut être l'interaction de notre âme, comme vous voyez sur l'image. Notre âme, c'est le soleil et notre forme physique. Donc, ça crée une... Par exemple, vous êtes comme le monsieur là ou madame, en même pas de peau. Donc, s'il fait comme 15 degrés Celsius, cette personne-là va avoir froid, le corps va avoir froid. Il va donner ce signal à l'âme. L'âme va dire, oh, j'aime pas ça, ça me... Ça, non, je vais lui envoyer comme cette sensation de température qui est neutre. C'est juste un paquet d'informations comme un ordinateur. Je vais lier à ça une émotion qui fait que, et peut-être elle va se mettre une peau où elle va générer plus de chaleur intérieure où elle va s'en aller d'où elle est. Donc, cette façon, les émotions sont créées. Et il y a une autre par rapport à d'autres personnes qui peuvent aussi être des personnes
qui font partie de la communauté universelle, qui n'ont pas nécessairement voice box, une boîte vocale, des cordes vocaux. Une corde, des cordes vocales. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi une interaction, et c'est la seule façon, comme on a pris le dernier programme, la seule façon de communiquer avec les frères et sœurs de la communauté universelle, parce qu'ils ne peuvent pas nous dire par des mots, ils peuvent seulement nous, entre guillemets, parler par les émotions. Donc, on va sentir leur intention et on va sentir également qu'est-ce qu'ils souhaitent d'interagir avec nous. Et tout ça, si l'intention est bonne et le souhait nous trouve une parallèle dans notre gamme de souhaits, ça va créer une émotion qui est positive. Le plus qu'il y a de friction, ça va donner des émotions négatives et ça va peu après aller dans une action. On peut soit se rapprocher, soit se éloigner. Ensuite, on va regarder comment on va gérer les émotions, comment on gère les émotions normalement dans presque toutes les cultures humaines. Premier, le point A, c'est qu'on dirige le focus, notre focus est dirigé vers l'extérieur. On regarde presque entièrement 24 heures par jour le monde extérieur pour observer, pour voir des choses, pour agir, pour toutes sortes de choses. Ensuite, parce qu'on trouve que cette, comme la petite fille qui est à côté de ses parents qui se bagarrent, on trouve qu'est-ce qu'on voit, les signaux qui nous viennent du monde extérieur sur nous, lesquels nous sommes dirigés, on trouve c'est réel. C'est réel, c'est notre réalité. La fille, elle ne va pas dire « je projette la bagarre de mes parents », elle va dire « non, mes parents se bagarraient toute mon enfance et ça m'a traumatisé. » C'est vraiment, c'est grave. Ça, c'était, il n'y avait aucune journée qui n'a pas passé sans cette bagarre que je trouvais menaçante. Moi, comme petite fille, c'était un traumatisme pour moi. Je crois aujourd'hui encore que les bagarres de mes parents étaient réelles. C'est passé réellement. Ils avaient une réalité en soi. Après ça, cette information, les parents se bagarrent, par exemple, cette perception, elle est encore neutre, mais elle ne va pas rester neutre très longtemps. Très rapidement, elle va se lier à un jugement. Et le jugement est basé « j'aime, j'aime pas », comme Facebook, d'ailleurs. Et ensuite, on va dire « c'est mauvais, jugement. C'est violent, jugement. Ça, c'est pas compassionné envers moi, jugement. Je n'existe pas pour mes parents, jugement. » Donc, on va comparer ça avec, on va charger ça pour vrai dire, avec des jugements. Et après, ça va produire la gamme des émotions négatives, comme ça. Ensuite, si on a des émotions négatives, il y a toujours dans notre conditionnement un lien entre émotion et réaction. Donc, on va au fond, il y a juste deux modes de réaction. En anglais, on dit fight or flight. Ça veut dire se battre, combattre ou fuir.
il n'y a pas de rester assis et observer. Non. Avec l'émotion négative comme chargée par jugement, elle va tout automatiquement aller dans une réaction. Comme par exemple, on pourrait imaginer maintenant l'événement avec le policier blanc qui a tué le noir à côté de sa voiture de police. Alors peut-être lui, il a une blonde, et la blonde, le matin, il y avait une bagarre et il est parti de la maison, d'abord sans déjeuner, deuxièmement sans bec de sa blonde, ou la maman. Alors il était déjà pas de bonne humeur, il était déjà chargé négativement. Donc il avait comme un bouton sur toi qui, où c'est écrit « Pesez dessus s'il vous plaît ». Et là, il arrive pour son travail comme police et il n'avait pas le compagnon. Le chef lui a changé de compagnon. C'était un compagnon qu'il n'aime pas. Donc, sa tension n'a pas diminué. Et là, arrive une situation où il pensait, mais qu'est-ce qu'il fout le noir là? Mais il veut... Ah, mais là, je vais courir. Il veut voler quelque chose avec à la petite vieille blanche, là. Oh là! Et là, il court, il le met à terre et il tue. Et il ne se rend pas compte. Et ça, c'est super important. Parce qu'il y a comme deux scénarios d'émotion. Si ça reste dans son, il reste dans son cadre, il ne va jamais avoir une seconde de se rendre compte de l'émotion du moment présent. Vous comprenez? Parce que lui, il fait une série de réactions parce qu'il est toujours focusé vers l'extérieur. L'extérieur le bombarde et lui, il fight back, il retale, retaliate. Et il n'a pas le temps de sentir l'émotion qui accompagne de tuer quelqu'un. Juste l'idée de « Wow, je suis en... Wow, 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 wow! Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'étrangler un être humain. Wow! » Et là, il peut être très touché. Mais lui, ce n'est pas le cas. Parce qu'il évite par son conditionnement, par sa malcompréhension de son émotion, il évite de découvrir l'émotion qui est là dans le moment présent. Il est juste conduit par l'extérieur, par des déclencheurs, par des « Ah, moi, policier, je fais comme ça, j'ai pas le choix, j'ai mes ordres, bla 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 bla. » Tous pour ne pas sentir qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Ça, c'est la façon, l'ancienne façon de mal comprendre les émotions. Si on met à côté la bonne façon, si on se met à comprendre les émotions. Déjà avant, quand je parlais de l'interaction entre l'âme et le corps physique quand on a froid ou un autre être qu'on interagit avec parce qu'on est en présence, on aime ou aime pas, ça va donner des émotions différentes. Et nous avons déjà appris depuis beaucoup de temps qu'il y a la gamme des émotions, ça va de négatif vers le positif. Et comme on sait que les émotions les plus négatives sont beaucoup plus proches à la sphère de la forme physique, pendant que les émotions positives, le plus positif qu'une émotion est, le plus proche elle est à l'âme.
Donc, d'être confortable, de se sentir confortable, d'avoir une émotion agréable, c'est déjà bon. Après, si on est joyeux, c'est encore plus proche. Et si on est amoureux, si on ressent un amour inconditionnel, on est hyper proche, on est aligné avec l'âme. Donc, si on sait ça, on sait chaque émotion nous dit exactement dans quelle distance je me trouve de mon âme. Donc, cette séquence d'événements ou de processus commence avec j'ai un regard tout d'abord vers l'intérieur. Les informations, le monde extérieur, qu'est-ce qui se passe dans le monde sur Facebook ou avec les voisins ou avec vous, Eva, m'en fous. Ce n'est pas vraiment ça qui me rend heureux ou malheureux. Ce qui me rend malheureux, c'est, ou ce qui peut me rendre plus heureux, c'est si j'ai mon regard vers l'intérieur et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, dans cette situation, l'extérieur n'est pas la réalité. La réalité maintenant est à l'intérieur. Donc, l'extérieur devient le miroir. Ça se inverse, ça inverse. Comme avant, la petite fille avec les parents, elle a vu les parents, elle n'a pas aimé, elle a fort des forts jugements contre ça, et à l'intérieur, elle va refléter l'extérieur. Donc, elle est complètement guidée et manipulée et hypnotisée par l'extérieur. Ça, c'est très important. Pendant que maintenant, quand je m'habitue à avoir la plupart du temps, sinon toujours, tout d'abord, un regard vers l'intérieur, je vais voir tôt ou tard que l'extérieur est devenu seulement le miroir de ce que se passe à l'intérieur de moi. Et là, je me rapproche à une bonne compréhension. Là, je comprends que les émotions ne sont pas des ordres de l'extérieur qui me demandent une réaction où je n'ai pas le choix. Non. Les émotions sont tout simplement des données ou des messages de mon GPS intérieur en me indiquant si je suis sur la bonne track ou pas sur la bonne track. Et ça ne veut pas dire que j'ai, si, admettons, je suis en présence d'une personne et ça, je me sens inconfortable. Dans la première façon de ne pas comprendre les émotions, je vais là, peut-être insulter, attaquer ou être brusque et devenir brusque et m'en aller brusquement. Dans la deuxième façon, je vois, oh, je ne me sens pas bien. Là, je peux, soit, si je vois la personne est parlable, je peux le dire. Je peux dire à elle, écoute, je me sens pas bien, je me sens fébrile, insécure, ça satisfait pas mon besoin de sécurité que j'ai en ce moment, ça comble pas ça, donc. J'aimerais où on peut peut-être modifier un peu notre relation en parlant ou je vais tout simplement aller ailleurs si tu permets. Wow! Et là, ça peut devenir une nouvelle amitié avec cette personne-là si elle veut parler ou pas. D'ailleurs, ce que je vous dis dans les deux, trois dernières phrases, c'est la communication non violente qui aide beaucoup
à mettre l'emphase, de prendre l'emphase de mode être hypnotisé par l'extérieur vers la liberté intérieure. Donc là, je vais juste partager le donné que j'ai reçu de mon GPS. Et si c'est beaucoup plus fort, ça peut tout de suite dire « va-t'en ». Et là, je m'en vais. Et je n'ai pas besoin d'être brusque ou rien, parce que l'extérieur est juste un reflet de mon intérieur. Et ça veut dire toutes ces émotions-là ne requièrent pas et surtout pas juste une façon d'agir ou réagir. Elles ne requièrent aucune réaction. Comme c'est écrit là, la meilleure réaction, c'est de ne pas réagir. Et c'est vrai parce que réagir, on voit ça maintenant très clairement. Réagir est toujours faux parce qu'on ne voit pas la réalité intérieure et c'est ça la réalité qui compte. Et c'est distorsionné et ça va perpétuer la guerre dans le monde et ça ne va jamais apporter la paix. Ça devient aussi maintenant beaucoup plus clair. Hein? Donc, c'est plus un état de détachement. Carolina et M. Kesh parlaient un bout dans les enseignements, beaucoup de détachement. Ça a un peu disparu. Et maintenant, j'aimerais remettre ça parce que c'est ça ce qui nous permet ce petit space gap. Hein? Monsieur Kesh dit souvent, et c'est la science du plasma qui dit, vous avez deux entités de plasma, ils vont, quand ils ne sont pas mentaux, ils vont se positionner tout seuls dans une distance qui garantit leur équilibre. Équilibre, ça veut dire bien-être. Et le GPS veut ça. Le GPS veut que nous trouvons notre positionnement dans un équilibre avec notre âme et dans un équilibre de notre âme à toutes les autres âmes et leur environnement autour. C'est ça ce qu'on a appris du mandat de conseil universel, les derniers programmes. Donc, ça, c'est difficile quand vous voyez ça comme la ABCDE ou la ABCD, si c'est comme un processus. J'ai essayé de vous compartimentaliser toute cette séquence de réactions ou événements ou processus de A à E. Alors, si c'est un processus, le plus vous allez vers le E, le moins nous avons le pouvoir de changer ça ou d'arrêter ça. Une fois vous êtes dans le genre jugement, c'est déjà très tard. C'est très difficile. Et en plus, si vous êtes juste dans cette émotion qui est juste presque rendue une réaction, d'arrêter ça, c'est impossible. Déjà, le point B est très difficile. Vous avez, quand vous avez un déclencheur de l'extérieur, vous avez maximum, je crois, la psychologie a trouvé ça, 3 secondes pour ne pas être déclenché. Pour ne pas croire, c'est à déclencher, ça veut dire croire, que cet événement que je vois qui me vient vers moi de l'extérieur est réel et je suis la victime. On a 3 secondes. Parce que c'est un espace émotionnel, les 3 secondes passent tellement vite que le seul espace où on a vraiment la possibilité d'intervenir, c'est là. Est-ce que je veux garder mon focus vers l'extérieur ou est-ce que je suis prêt à investir un peu de conscience pour souvent me ramener
à... Dans quelle direction tu regardes en ce moment? Tu es dans l'extérieur ou dans l'intérieur? Et c'est ça que toutes les moines zen font toute la journée longue. Et beaucoup de gens qui prennent leur évolution au sérieux, individuel, ils ne peuvent pas ne pas faire ça. Donc, l'attitude au début, faudrait cultiver, que nous cultivons l'introspection au dépit de l'introspection. Parce que l'introspection, il n'y a rien de nouveau, parce qu'on a déjà appris. Nous créons notre réalité. Donc, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? C'est nous qui avons créé en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va être déclenché par un truc que j'ai fabriqué moi-même avant. J'ai juste fait semblant que j'ai oublié. Je fais semblant d'avoir oublié que c'est moi qui a créé. Ça, c'est con, hein? Ah non, on veut pas ça. So, on va plonger encore un peu plus profondément dans cette thématique. Je crois que c'est vraiment crucial, ça. Alors là, l'âme, notre âme, qui est liée et partie intégrale de l'âme du Créateur, auparavant appelée Dieu, elle est fermement ancrée dans le principe universel. Le principe universel, c'est que nous sommes, tout ce que nous faisons, pensons et parlons est pour le bien du tout, pour l'universel. Et l'âme ne peut pas, pas un iota dévier du principe universel, complètement, entièrement, totalement incapable. Peut pas. Notre mental qui s'appelle des fois mais moi non moi non 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 c'est pas ça moi je veux ça, autre chose donc le moi notre personnalité notre mental ou dans le sens large du mot notre âme de la forme physique. Elle peut dire ouais, mais non, je ne veux pas le principe, non, pourquoi je, non, je vais, je veux juste être heureux, moi, et j'ai assez à faire avec ça, et je veux, j'ai pas le temps ni envie de me, de regarder du reste de l'univers, c'est complètement cinglé. L'univers est tellement énorme, et moi, je suis juste un petit dans. Foutez-moi la paix avec votre univers. Quand c'est ça, il y a comme un divergent entre l'âme et le moi. Le moi, aussitôt que notre personnalité ou nous voulons poursuivre un désir personnel qui ne comble rien du tout, on se met. On commence à créer un space gap, un espace, un gouffre même entre l'âme et nous. Donc là, on pourrait comparer cette situation que le lien entre, comme la main gauche, c'est l'âme, la main droite, qui a l'air plus masculine. C'est l'âme de la forme physique ou le mental ou la personnalité. Ils sont liés avec un ruban élastique. Si la main gauche, la main de la femme, la main féminine, elle ne peut pas tirer parce qu'en fait, elle ne se déplace pas. Si on a dit avant, elle reste fermement ancrée au centre, au sein. Du principe universel, ça veut dire elle ne bouge pas. La seule entité qui peut bouger, c'est l'homme, la personnalité.
nom est je. Alors, le nom est je. De plus je vais vers le nom est je, de plus mauvais deviennent mes émotions avec les émoticônes en dessous. Et de plus, j'augmente l'attention. Et vous voyez dans les chiffres, de 0, ça va tout de suite à 2, 5, 9 et mort. Donc, ça va très, très rapidement. C'est pas linéaire, c'est comme une hyperbole. Et ça veut dire que c'est un ruban, cette liaison. Mais cette liaison, c'est pas ce lien. C'est le lien qui nous garde en vie, hein, faut pas oublier. L'âme, le lien entre l'âme de la forme physique et l'âme, c'est la condition sine qua non notre vie est. Si ce ruban casse, finit la vie matérielle, finit la vie pour nous, corporelle. C'est-à-dire, la mort s'ensuit. Pour ça, la petite tête de mort. Donc, ça veut dire la seule entité qui peut s'en aller, c'est la personnalité. Et il faut d'ailleurs, de par conséquent, faut être très, très vigilant de ne pas étirer le ruban trop, trop. Parce que combien de fois quelqu'un meurt parce que... Non, mais moi, le confinement, j'en ai assez. Moi et ma gang, nous sommes plus évolués, nous faisons beaucoup de méditation, nous ne portons pas de masque et nous nous embrassons. Et nous nous rencontrons souvent. Ça peut être une réaction. Et si c'est une réaction, ça peut avoir comme conséquence la réaction peut devenir une infection. Et une infection, ça peut très, très facilement devenir la mort, aboutir dans la mort. Donc, c'est beaucoup mieux de comprendre, si je veux, même comme socialiser et être proche des autres, est-ce que je veux ça? Pour moi, parce que je ne suis pas capable de garder le confinement. Je ne suis pas capable, je ne peux pas rester avec moi parce que je me déteste. Voilà. Ça, c'est une réaction. Et le résultat va dans le sens négatif, de pire en pire. Sinon, si je dis, oh, le confinement, c'est vraiment difficile, mais je trouve aussi... Je parle beaucoup plus avec les yeux en portant le masque. Je regarde plus les gens dans les yeux par le masque. Donc, et je m'observe, je fais plus de choses compassionnées qu'avant. Donc ça, ça va vers le plus, c'est-à-dire je lâche ma position comme mon désagrément de confinement. Et le ruban tire, c'est un ruban élastique, ça tire, me tire plus proche vers l'âme et en passant, mes émotions s'améliorent au même moment. Ensuite, M. Kirsch dit, ça a l'air, si, mais c'est vrai aussi, quand on est embarqué dans un processus d'émotion négative réaction, c'est très difficile de débarquer. Sinon, une méthode qui marche, qui est très, très efficace, c'est ce que vous voyez sur l'image première, la fille en rose, la blanche. Elle est mal prise, elle est prise dans ses croyances de la réalité du monde matériel et sa copine noire. Elle met tendrement son bras autour de ses épaules et essaie de la consoler. Et dans la deuxième image, c'est un Français qui est tout seul malheureusement parce que c'est le confinement et il ne peut pas toujours boire sa blonde parce que... Et il n'est pas démuni non plus parce que c'est un knowledge seeker qui peut penser pour lui-même. Et s'il s'est dit,
Oh, Nathalie n'est pas là, qu'elle me peut prendre dans ses bras, voilà, moi je suis là, je vais me prendre moi-même dans mes bras. Et vous voyez le visage détendu. Est-ce qu'il va agir ou réagir? Mais pas du tout. Ensuite, proposé comme un genre de triathlon émotionnel. Et ça me faisait, quand j'ai traduit ça en français, il a dit en anglais, « You need to learn how to be good in living. » Et ça, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le bon vivant. Un bon vivant en français, je crois, ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas seulement le vin rouge et les femmes et le bon manger, mais non, il est axé sur les bonnes émotions et il fait tout, il recherche toute la journée des bonnes émotions. Alors, dans ça, il a dit, pour être confirmé comme bon vivant, ça prend ce quadruple athlon-là. Et ce n'est pas nous-mêmes qui vont mettre les points. Alors, il n'y a pas de points, il y a juste comme un tac vert que vous pouvez mettre dans trois cases différentes. Non, ni, ça veut dire neutre, ou oui. Donc là, je vous demandais sur la question, suis-je un bon compagnon? Pas vous, mais votre conjointe ou votre conjoint doit dire oui, pas vraiment ou non. Ensuite, est-ce que je suis un bon professeur? Si mon partenaire me demande de l'aide, est-ce que je l'aide d'une façon que j'aide qu'il peut se débrouiller la prochaine fois tout seul ou je lui donne la réponse parce que c'est plus vite? Ou je le fais à sa place parce que c'est encore plus vite? Mauvais professeur. Suis-je un bon père ou mère? C'est-à-dire aimer sans condition l'autre personne. Et suis-je un bon amant? C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment amoureux de l'autre personne? Est-ce que je l'adore? Et c'est important que vous ne mettez pas les coches dans les cases, mais c'est votre plus grand ennemi qui va le mettre dans les bonnes cases. Parce que si votre partenaire les met toutes en oui, vous pouvez être sûr, vous êtes rendu une personne paisible et avec vous, le conseil universel n'a aucun problème de changer, d'instaurer la paix mondiale sur Terre. Ensuite, il nous donne quelques exercices pour juger dans nos relations aussi et avec nous, nous avec nous aussi, comment nous sommes proches de notre âme ou pas. Une, c'est vous allez chez, si admettons votre enfant dort ou votre femme ou homme, et vous vous rapprochez à la personne dormante et vous juste fermez les yeux et vous aimez. Vous adorez, vous dites à l'intérieur, je t'adore, chérie. Et si le bébé fait un visage comme ça, et votre femme ou votre mari aussi, vous pouvez être sûr que vous avez une connexion de âme à âme et vous n'avez pas vraiment besoin de vous parler. Vous comprenez sur le niveau de l'âme. Ça peut aussi être, peut-être le bébé ou la femme ne sourit pas, mais tourne son corps vers vous et fait
C'est bon ça. Ou vous pouvez faire l'exercice toucher sans toucher, c'est-à-dire vous êtes dans une salle d'attente et vous avez du temps et vous ciblez une personne qui est assise là, qui peut-être lit un journal ou regarde dans son cellulaire, c'est tout ça. Hein? Regarde dans son cellulaire et vous, dans votre imagination, vous êtes à côté de cette personne, seulement dans l'imagination, et vous mettez votre bras autour de ses épaules et vous flattez sa tête. Si la personne vous regarde, vous êtes déjà beaucoup plus proche et vous pouvez même agir sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme, et vous avez beaucoup moins besoin d'agir sur le plan matériel. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chez des personnes. Admettons, vous passez dans la rue et dans le métro, il y a un mendiant qui joue harmonica. Vous juste mettez votre main sur son cœur, vous dites merci pour cette jolie mélodie et vous dites comme les gens ici, ils disent au lieu de dire au revoir, ils disent que vaya bien, que tu ailles bien. Parce que ça fait, on donne de notre âme et l'autre personne, si elle peut le prendre, elle va recevoir une idée de « Ah, oh, je pourrais jouer cette chanson-là, elle va gagner 20 piastres de plus. » Si elle aime faire ce travail, si elle aime faire autre chose, elle va avoir justement l'idée de cette autre chose qui la rend plus heureuse. Ah oui, là. Là, vous voyez deux images d'enfants. Et on ne peut pas vraiment dire s'ils ont des garçons ou des filles. Et ce n'est pas vraiment nécessaire maintenant de dire, ben oui, le gauche c'est le garçon, le droit c'est la fille. Non. C'est un exemple que M. Kesh a donné que je trouve presque choquant tellement ça explique bien le principe universel. Il a dit que ça a lieu en Afrique. J'ai trouvé sur Internet, en recherchant un peu, que ça a lieu aussi, même en République dominicaine, qui est l'autre côté de Haïti. Les enfants, il y a des tribus, des gens qui vivent comme dans la montagne, qui n'ont pas beaucoup de contact avec le monde, soi-disant civilisé, et ils vivent beaucoup avec le principe universel. Et ils décident de leur sexe final adulte entre l'âge de 12 et 14. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe jusqu'à 12. Ça veut dire qu'ils ont un sexe, mais ils peuvent changer le sexe entre 12 et 14 ans, tout dépendant qu'est-ce que la tribu, c'est leur univers, a besoin. Admettons, il y a un grand décalage entre garçons et filles, il y a trop de garçons. Donc, un ou deux ou trois garçons entre 12 et 14 ans vont changer de sexe pour devenir filles, pour équilibrer la situation et rendre la tribu, l'âme de la tribu, plus heureuse. Et je trouvais choquant ça parce que c'est intime d'abord. Et deuxièmement, j'ai vu comment je suis attaché ou identifié plutôt à mon sexe d'être un homme, gendre on dit, et de changer ça. Mais de l'autre côté, ça peut être très intéressant. Et je trouve le vrai hic de la chose, c'est qu'ils ne font pas ça parce qu'ils ne veulent pas être un homme plus tard pour devenir une femme. Ils font ça parce que c'est nécessaire. Ça rend la tribu, le tout, plus heureux.
Et en conséquence, en eux, ils vont être plus heureux aussi parce que, justement, ils font partie du tout. Donc ça, c'est drôlement, je ne peux pas ne pas vous dire ça. Quand on lit ça, je crois que c'était Daily News ou quelque chose, un journaliste il a écrit sur ça. Et les médecins, la seule explication, alors eux, ils n'ont rien parlé du principe universel, c'est clair. Ils ont juste dit, ce tribu, les enfants, ils souffrent d'un débalancement hormonal. Oui, ça veut dire aussi que quelqu'un qui devient moine ou nonne, il fait ça parce que c'est il est mal pris par une insuffisance hormonale. Ouais. Pas d'allure, ça. Ensuite, c'est comme un peu le dessert comme avant. Monsieur Keshe a dit, il a apporté une façon comment on peut s'aider à apprendre sur les émotions par les sciences du plasma, la technologie en fait. Donc, vous voyez sur l'image de ce qu'on appelle réacteur dynamique. Dans le 1, vous mettez le GANS CAP1. Dans le 2e, vous mettez le GANS CAP2. Pas dans les mêmes quantités. Et vous pouvez essayer, ou vous mettez la même quantité et vous avez chaque de ces boules-là et monté sur un moteur que vous pouvez régler indépendamment. Après, quand vous tournez le 2 versus le 1 plus lent ou plus vite, ça va changer leur interaction. Et quand cette interaction change, on a pris les GANS des Cup of Man, hein? Cup 1, Cup 2, c'est-à-dire ces deux armes déjà. Donc, et on les met dans les réacteurs dynamiques parce que ça amplifie le champ. Et ça rend pour nous plus facilement qu'on peut détecter l'émotion. Donc, on peut changer ça. Et peut-être, tout dépendamment comment on les change, ça nous donne des émotions différemment parce que l'interaction a changé. Et à ce moment-là, ça serait génial pour tout le monde qui ont la misère pour ceux qui est très difficile de se détacher d'une émotion. Parce que ici, si ça fonctionne, vous créez une émotion avec un bouton électronique. Donc, il n'y a pas d'événement à l'extérieur, il n'y a pas de jugement disponible qui peut être lié à ça. Donc, c'est très difficile de prendre ça, cette émotion personnelle. Mais c'est très bon parce qu'on peut comme sentir des émotions qu'on a créées artificiellement. C'est comme, je crois peut-être dans une expérience neurologique, ils ont fait ça probablement avec des électrodes dans le cerveau. Ils ont envoyé des micro-courants et ça créait d'autres émotion. Mais ça, c'était le chercheur qui a tourné le bouton et l'autre, il ne savait pas et blabla. Ça, c'est vraiment pas bon pour comparer. C'est beaucoup mieux que vous provoquez vos émotions en tournant vos boutons. Si quelqu'un d'autre tourne votre bouton, le danger est encore là que l'extérieur va prendre le dessus sur votre intérieur. Voilà. Alors, ça peut être une très bonne chose. Malheureusement, je ne peux pas le faire ici. Je ne peux pas me faire envoyer rien ici. Ça coûte trop cher pour moi. Autrement, j'aurais commandé à la Fondation Keshe. Ce n'est pas très cher, ces trucs-là, pour le faire parce que je trouve que c'est hyper intéressant de tourner un bouton et d'avoir une émotion. Et à la suite, on peut noter
telle, on fait une échelle au bouton et admettons si je mets 5 versus 8 ou 5 versus 9, ça fait comme un genre d'impatience. Tandis que quand je fais 9 versus l'inverse, versus 2, ça fait comme paix. Et quand je sais ça, et quand j'ai une émotion qui est négative, je peux me mettre à côté de mes dynamiques, les ajuster à ce que je veux, et ils vont me changer les émotions, comme la cup of man. Et là, je comprends deux choses avec une seule claque. Je comprends les chants, que j'ai fait attention aux chants et ne pas aux gans. Et deuxième chose, je lis mes émotions et je ne me fais pas réagir ou mener par le nez par mes émotions. D'accord? Et l'autre bonbon, c'est un truc que je peux malheureusement pas faire non plus ici. J'ai beaucoup envie de faire ça. Ça, c'est comme une recette d'un Knowledge Seeker Workshop 175, je crois. Ou un peace reactor, un réacteur de paix. Alors, on prend un double corps, une boule plus petite dans une boule plus grande. Dans la plus petite, on met 100% de zinc oxyde. Dans la boule extérieure, on fait 80% zinc oxyde avec 20% CO2. Et là, il faut prendre plasma liquide. Et vous montez ça avec une hélice qui tourne facilement dans le vent, qui va faire tourner vos boules. Et à ce moment, vous allez enlever la peur des gens et votre peur aussi, si jamais vous l'avez. Donc, c'est un autre gadget qui peut nous aider à mieux apprendre nos émotions. Et dans le contexte, c'est aussi bon de se rappeler que une fois on est proche à l'âme, comme et je parle état, pas juste une fraction de seconde, on s'est établi en alignement perpétuel de notre âme, ce qui est appelé ailleurs illumination. À ce moment-là, il n'y a plus d'émotion. Juste une, possiblement, l'émotion de l'amour inconditionnel. Toutes les autres ne sont plus possibles. Donc, ça fait bleu. Je vous dis merci beaucoup. J'avais beaucoup de plaisir à vous raconter ça parce que ça me passionne tout à fait. C'est le truc qui me fait vivre pour le moment. Et j'espère beaucoup que demain, on va avoir la deuxième leçon sur le même thème. Yes! Si vous avez des questions ou des commentaires, le microphone est à vous. À propos des réacteurs dynamiques, Aviram, je pense qu'il est, je ne sais pas si tu l'as dit là, je n'ai pas trop fait attention à ça. Il faut, je pense, le faire tourner dans les sens opposés. Mais on va essayer ça. Tu sais, pour arriver à faire le lemniscate, quand on suit, quand on est sur, à l'intérieur du lemniscate, eh bien, on suit une certaine, un certain mouvement et qui fait que si on veut bien le faire, je pense qu'il faut que les réacteurs soient. Ouais, je peux te dire, ma pensée était que quand on a des réacteurs à l'intérieur du inner core, c'est l'âme qui se fait. Oui. Alors pour ça, j'ai mis le 100% là. Oui, non, mais c'est bien. Hein? C'est bien. Mais si quelqu'un a une autre avenue, essaye et dis-nous qu'est-ce que ça apporte. De toute façon, je ne peux pas l'essayer. Oui, ouais, c'est quand même une très bonne idée, je pense. Est-ce que je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a montré M. Cash l'autre jour, parce que en fait, je ne peux pas suivre tous les cours là, en ce moment, j'ai d'autres problèmes,
Oui. Tu sais, il avait montré en Chine l'appareil pour justement dépolluer l'air avec Oui. des cascades de gaz CO2. Tu vois ce que je veux dire? C'est une machine jaune, je crois. Ah oui. Est-ce qu'on a vu cette machine fonctionner quelque part? Non, il a juste ce que j'ai vu, il a juste montré comme ce qui est sur le webshop dans D'accord. le magasin. D'accord. Donc il n'a pas dit, Un il a toit. pas, j'ai pas vu de vidéo où la machine est en action. D'accord. Ben, en tout cas, merci encore une fois pour cette belle présentation. J'ai beaucoup aimé personnellement le descriptif pour les intentions. On me parle beaucoup, moi. Voilà. Hello. Bonjour. Bonjour. Thank you. Merci beaucoup. Very interesting with these images. Just to recall, juste pour dire que Monsieur Keshe a dit plusieurs fois, le cup of man ne le touchez pas. Juste laissez-le comme il est. Après, je vous dis qu'est-ce que vous allez faire avec. Oui. Non, le gaz qui est pour les réacteurs, j'ai aussi compris que on prend le gaz cap 1 et cap 2 et on ne prend pas le gaz, on n'a pas besoin de prendre le gaz de la cup of man. Le mystère pour le moment. Oui, c'est ça. Ouais, il faut essayer ça, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la coupe de l'homme n'est qu'une représentation physique de nous-mêmes. Et en Oui. fait, c'est pour nous aider à aller vers l'intérieur et Oui. retrouver l'énergie intérieure. C'est surtout pour ça, quoi. Oui. Ah, Oui, c'est tout à juste fait. un outil, voilà. C'est un outil pour nous aider. Voilà, c'est tout. Oui. Alors, dans ce sens-là, on pourrait ne pas faire les réacteurs, on pourrait juste utiliser la coupe de l'homme pour ça. Je pense que oui, tu as raison. Non, tout Je à fait. crois qu'ils ne nous ont pas appris totalement comment l'utiliser. Il se peut qu'il va s'utiliser en forme de self-formation. Mais je ne peux pas dire plus que ça. Mais je crois qu'il y a une façon de l'utiliser pour créer des mouvements ou énergie. J'imagine qu'ils ne nous ont pas encore expliqué. D'une certaine manière, on peut arriver, je pense, à créer une nouvelle âme si on arrive à trouver la bonne interaction. Oui, aussi. Oui. Si on arrive à trouver l'équilibre et Bon, je crois que tout était ça peut ouvert. se faire. Tout est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a eu un très bel enseignement brésilien, donc en langue portugaise, vendredi dernier, où oui, maintenant, Monsieur Keshe participe de plus en plus hein, aux différents enseignements. Et c'est vrai que Carolina nous a demandé de revoir cet enseignement. Oui, donc pour ceux qui comprennent soit un peu l'anglais ou le portugais, ça vaut la peine d'y aller. C'est un très très bel enseignement où Monsieur Keshe revient justement sur la coupe de l'homme. Il s'agit juste de revoir au moins une partie qui dure 20 à 25 minutes. C'est à peu près 1h30, 1h20, 1h30 du teaching portugais. Voilà, et ça vaut la peine de l'écouter.
Il est sur la chaîne YouTube, ça, ça oui, 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 il est sur la chaîne YouTube. Attends, je peux essayer de le retrouver, de mettre. Non, mais dans le... je le retrouverai, moi. Vendredi dernier, tu me dis. Ouais, c'était vendredi dernier et c'est, je crois, 1h20 à peu près. D'accord. Ok. Il paraît que c'est un peu difficile. J'ai commencé un peu, peut-être 20 minutes, j'ai vu, je ne peux pas tout comprendre. Donc, j'ai passé, je regardais des vidéos amusantes. Maintenant que je sais, tout le monde le trouvait difficile, ça m'encourage, de toute façon, je vais revenir continuer. Maintenant que vous dites c'est 1h30, parce que j'avais cru que c'est très long comme vous. En tout cas. L'enseignement complet fait 5 heures, hein, donc il est très très long, sauf que la partie dont Carolina nous a parlé, bon, elle dure à peu près 20-25 minutes, même pas. Ah. Donc, et c'est cette partie-là qu'il est intéressant de revoir pour bien comprendre comment fonctionne la coupe de l'homme. Ah d'accord, ok. Il se peut que je les ai vus, parce que j'ai vu pour 25 minutes. J'ai pensé que c'est 5 heures, c'est loin. D'accord, merci. Si quelqu'un veut faire le re-regarder ça, trouver la bonne séquence, les 25 minutes, peut-être il peut dans le Messenger nous envoyer ça parce que je n'ai pas le temps de regarder je ne sais pas combien d'heures. Ça serait gentil. Vous êtes... on peut vous envoyer sur le chat des étudiants. Vous êtes là. Vous êtes dans le chat? Oui. OK. Parce que moi, Oh, c'est là. Je n'ai pas de messenger. Très bien. Okay. J'ai mis le lien et ça doit commencer à 1h20 à peu près. Hein. 1h20, 1h24. C'est à partir du moment où il y a les premiers schémas. D'accord. Il y a surtout un schéma qui est intéressant. Ça, je t'encourage pour l'instant. Non, voilà, il faut aller le regarder, l'écouter. Voilà, ouais. C'est hyper, hyper intéressant. Cool. Il faut savoir que ces enseignements de M. Keshe actuellement vont aller de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans les explications. Donc, à nous d'essayer de suivre tout ça. Oui. Je suis tellement content que ça vire comme ça. Ah oui. Ça... Le rythme s'accélère. Le rythme s'accélère et voilà, et il faut s'accrocher et suivre. Et puis de toute façon, si on ne comprend pas tout de suite, ça viendra, quoi. Aucun souci à avoir. Je crois que s'il fait vite, c'est parce qu'il y a des événements qui vont arriver, qu'on devrait être prêt. Ouais, on sort comme ça, quoi. Voilà, il faut qu'on soit prêt. Ouais, je crois que c'est pour ça que vraiment, il va partout, dans tous les petits coins, et on les voit. Ouais. Il faut qu'on soit prêt, il y a des grands événements à venir et donc voilà, il faut qu'on soit prêt parce qu'on est là aussi nous pour d'une certaine manière pour guider, pour prendre en charge tout ça. Voilà, donc il faut qu'on soit là. On soit à la hauteur. Oui. On n'a pas le temps pour chit-chat des personnes.
pas des écoliers ou des choses comme ça. C'est vraiment, il faut aller dans les choses efficaces et vraiment à notre niveau. Bon courage à tout le monde, on est tous dans le même bain, on est tous liés l'un les autres, les 4-5 points du monde, et on a des aides aussi, donc ça va aller. Ouais, on n'est pas tout seul, loin de là. On est, voilà, on non, a non, des on n'est pas seul, on n'est pas seul. On est bien, on est bien. Bien, mais je vous propose de clôturer. Oui, merci beaucoup et bonne nuit. Merci à vous et puis à très vite. Je vois que tu vas nous envoyer le PowerPoint. Alors, oui. Merci. Merci encore pour cette belle soirée. Merci à tous. Bonne nuit à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.